Et on y va, merci d'être de retour avec moi, on va continuer notre jeu vidéo. Et oui, pour revoir tous les fondamentaux de C-Sharp, et on va continuer. Vous vous souvenez où on était rendu On était rendu à cette étape de pouvoir mettre en place un combat. Donc on avait notre e factor avec un basse caractère qui respectait ce e -factor. On avait une abstraite qui permettait en fait d'imposer... Le fait qu'on ne pouvait pas l'instancier, qu'on devait penser abstraction. Et oui, l'idée d'abstraction, c'est la substitution, le L de l'ISCOF, donc dans Solid, S.O.L.I.D, on va partir sur le L. Donc l'idée, c'est que tous les caractères doivent respecter ce contrat-là. Et d'ailleurs, le I-Factor. Le I-Factor, hein, pas facteur. <laughs> voilà, ça c'est super quand on prononce mal l'anglais. Vous avez compris. Donc là, on a une attaque où on a un basse-caractère qui prend une force aléatoire et qui va attaquer, qui va faire un tech hit. Take hit qui va attaquer selon un coup le fighter. Et en fait ben, ce qu'on va faire c'est que dès qu'il y a une attaque, et eh bien l'autre va attaquer aussi. Mais ça on va pas le faire à cet endroit là. Là c'est juste une attaque simple. Donc une attaque simple, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va rajouter un handicap, Alors, on va s'amuser, on va travailler les properties. On va rajouter un handicap ici, CTRL D. Handicap. Et donc on a vu, hein, vous vous souvenez qu'on peut mettre une valeur par défaut, donc on va dire que de base il y a une valeur par défaut de 200 cet handicap. Euh, de 10. Et ce handicap, c'est ce qu'on va soustraire au combat. Donc, quand on va donner un coup, mais ben en fait, on pourra donner un coup moins fort suivant le handicap qu'on a. On pourra faire évoluer ce handicap-là. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Donc, on va prendre un deuxième random. Mais cette fois-ci sur le handicap. Et là, ici, on va faire handicap cost. Voilà. Et donc, on va faire attaque cost moins handicap cost. Yes, bon, l'inconvénient de tout ça, c'est que si, admettons, on, bah, on fait quelque chose de positif, c'est bien, mais si on fait quelque chose de négatif, donc on va prendre l'absolu. Hein, l'absolu, the absolute value of a native sign integer. Donc, on est sûr de ramener quelque chose de positif. Ça permet de voir qu'il a libéré mat. Point, hein, regardez, mat point qui existe. Mat point, Et il y a min, sin cosinus, cosinus, blablabla, tangente, tout ce qui permet de faire des, des belles mathématiques sans Unity. Okay, nous, on n'en aura pas besoin là, mais c'est sympa à connaître. Donc, ce qui est sûr, c'est que si, si c'est négatif, eh bien, euh, on repassera en positif. Donc, ça donnera quand même un coup. Si on a moins 2, bah, ça donnera 2. Point. Okay Donc, voilà, c'est ça l'idée. Donc, à partir de là, bah, ça, ça peut donner des choses un peu étranges. là. On va rajouter quelque chose qui va être intéressant. C'est qu'on va imaginer dans un monde d'un jeu vidéo. Je prends par exemple le dernier Final Fantasy VII. Moi, j'ai pas joué au tout, tout dernier, mais j'ai joué à celui juste avant. On a, euh, donc euh, il y a le tout dernier, je crois que c'est en 3 ou 4 épisodes, et donc là, moi j'avais joué qu'au premier, et je me rappelle qu'il y avait cette déception pour moi, puisqu'en fait, il n'y avait pas du tour par tour. Et il n'y avait que le combat en temps réel. Et euh, j'avais lu qu'en fait, on pouvait activer le tour par tour. Alors, je ne l'ai pas fait, mais euh, je m'y suis habitué en fait. Hein. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à tout moment, on peut switcher de système de combat. Il y a toujours un système de combat qui est en cours. C'est-à-dire, j'attaque un ou plusieurs ennemis, et après, je vais définir les règles de comment je les attaque. Est-ce que c'est moi d'abord, puis l'autre, puis l'autre, puis moi Est-ce que c'est moi d'abord, puis suivant un temps donné, je peux réattaquer suivant un temps Bref, vous voyez, il y a des règles qui définissent en fait comment on peut faire un combat. Mais le combat est toujours le même. Le but, c'est de c'est de définir un combat, de le lancer et de voir ben, à la fin s'il y a mort ou pas du personnage principal et de des personnages en cours. Et donc ben, on peut dire aussi que tant qu'il y, qu y a tous les personnages qu'on doit tuer et qui ne sont pas tués, eh ben, le combat continue. Voilà des choses comme ça. Ou ceux qui sont plus importants, le boss, etc. Vous voyez, il y a plein de règles. Donc c'est-à-dire qu'en fait à tout moment on peut définir ça. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, le personnage va rencontrer un... Un Combat, c'est un peu comme une rencontre, mais plutôt va lancer un combat. Et ce combat-là, bah, en fait, on va le définir à travers. Euh, bah, en fait, le personnage va rentrer dans un combat, donc on va le définir dans une histoire de, bah, de combat. Donc on va essayer de trouver euh, la définition de combat. Hein. Moi, je ne m'y parle pas de trop, donc on va faire un translate. Je ne connais pas trop. On va faire un combat. A fight, voilà. Et donc on va faire un fight. Donc dans notre modèle ici, dans notre caractère, dans notre models, on va créer ici euh, toute une partie fights. Bah tiens, il était déjà là, vous vous souvenez, on l'avait fait, bah, ça tombe bien. Et donc là ici, on va les rajouter une interface qui va représenter en fait notre fight. I e fight. Ce fight là, qu'est-ce qu'il va fonctionner Il va fonctionner. Il va fonctionner euh, comment il va fonctionner, pardon Il va fonctionner en fait sur j'ai besoin de deux fighters. Public fight. Et donc j'ai besoin de deux fighters et je vais lancer. Donc void, euh, run. Je vais prendre un e-fighter. Fighter. fighter. point virgule. Voilà. Fighter 1. Euh, et j'ai un e-fighter 2. Et voilà, c'est juste ça le combat. Après on pourrait élaborer d'autres stratégies, mais l'idée c'est de partir sur cette étape-là. Donc c'est ce qu'on va utiliser. On va bien sûr mettre une, un, euh, des commentaires contract to uh, run a fight between between two characters to fighter ok voilà donc là euh, je crois que ça c'est clair il n'y a pas tellement besoin on pourrait définir des règles de combat et donc ça c'est notre combat principal mais c'est qu'un contrat donc ce qu'on va chercher en fait à faire c'est essayer de chercher vous vous souvenez l'interface définit le cadre la classe définit le changement hein, c'est un peu cette idée là donc là, on va définir un deathmatch combat, deathmatch combat. Donc deathmatch fight. Ce combat là va donc respecter notre e-fight. E fight On va devoir implémenter cette méthode et donc cette interface. Public methods. Et donc ici, on va lancer le combat. Un, death match, est est un des matchs c'est quoi C'est tant que l'un des deux n'est pas mort, eh bien on continue. Donc while... Tu pourrais te mettre bien s'il te plaît. White Fighter one point is. Alors... On n'a pas is alive. Donc on va avoir besoin de is alive. Dans notre fighter, ça peut être quand même bien de savoir s'il est vivant ou pas. Donc on va lui rajouter une méthode. Et on commence à avoir un fighter qui commence à peut être à grand, donc il faut qu'on fasse attention. Hein. Receive it, maybe change it. Voilà. Donc on va faire un i, euh, boolean is alive. Et on y va, is alive. Donc on va aller définir ce is alive dans notre fighter. Alors notre fighter, notre fighter, notre caractère, il s'appelle, c'est un fighter. Voilà. Et donc on va aller rajouter ici notre fighter. Ben regardez, il a déjà is alive. Donc c'est bon, il a respecté le contrat, c'est super. Hein, notre fighter, c'est cool. Très bien. Donc là, on sait s'il si est en vie. Et donc notre match, on va faire quoi ben, Tant que les deux sont en vie, is alive. Et... Ou... Oh. Il faut que les deux soient en vie. Si l'un des deux... Et euh, mort, bah on ne va pas continuer à attaquer. Hein. Et fighter two point is alive. à ce moment-là, bon, on attaque. Alors, comment on fait pour attaquer Le fighter one point attaque le fighter2. Et if fighter2 est vivant, à ce moment-là, fighter2 attaque fighter1. OK Voilà, c'est comme ça qu'on va lancer le combat. Donc, vous voyez ici, on est sur quelque chose de simple. On pourrait très bien aller beaucoup plus loin sur l'idée. Hein, mais là, on a bien lancé cette partie-là, on a lancé notre combat. Ce qui veut dire ici que dans notre partie, on va pouvoir définir quelle est la règle de combat. C'est-à-dire que dans notre game qu'on va créer juste après, on va pouvoir dire, OK, les règles de combat, c'est celle-ci. Donc, j'utilise un fighter et à tout moment, je vais pouvoir lancer ce combat-là. D'accord Donc, ça va être cette idée-là. OK, donc là, on a notre application, on a notre modèle avec nos fighters, on a notre euh, définition d'application, nos modèles principaux. Là, c'est le combat en lui-même, c'est super. On a les règles qu'on avait fait de validation, c'est super. Donc maintenant, comment on va avancer Eh bien, on va commencer à définir en fait que ce serait bien de pouvoir afficher. Vous vous souvenez, on l'a déjà fait. C'est on va chercher à afficher bah, l'attaque. Donc le personnage A est en train de tuer le personnage B, il lui reste en de vie. Mais bah, ce qu'on veut, c'est surtout pas être dépendant en fait de l'affichage. Toujours pareil. Qu'est-ce qu'on va utiliser Vous l'avez On va utiliser un constructeur. Oui, vous l'avez aussi. Donc c'est or. Et on va utiliser un delegate. Ok, action. Et là, on va faire des best strings, hein, on va afficher display to UI. Et donc, ce display to UI, on va utiliser la force du refactoring et de, du scaffolder plutôt. Et donc là, on va faire euh, afficher un champ. Comme ça, on le récupère là. OK. Fields. And. Reg. Yes. Bon, massacre, c'est cool. Hein, on avance bien là-dessus. Vous avez remarqué que depuis le début, je commets une grosse erreur. Et on va en reparler juste après. Donc là, notre fighter, ben on va aller le faire. Je vais faire. Vous allez voir, je vais faire un test de non-régression. C'est ça la grosse erreur. C'est que je n'ai pas fait de TDD. Hein, parce que je veux vraiment vous faire l'avancer. J'avais dit qu'on avancerait sans test. Mais je trouve que c'est quand même sympa de valider au moins notre deathmatch fight. Au moins de valider. C'est ce qu'on va tester juste après pour prouver que tout est OK. Donc ici, on y va. Notre combat, c'est bon. Et donc ce que je veux, ben, c'est afficher. Donc là, je vais afficher euh, le combat. Donc là, ici, à chaque tour, je vais l'afficher. Donc zis display to UI donc là un objet sa plante c'est tant mieux donc on y va euh, user devrait faire un accolade un dollar parenthèse on va dire euh, l'utilisateur non fighter one point euh, fighter one point, life point point value donc on va dire euh, combattant 1 deux points ok et on va faire le résultat combattant 2. Fighter fighter 2. Ok. Voilà, combattant 1, combattant 2, et on saura le combat, on pourra l'avoir. Donc là, du point de vue là, on ne sait même pas son prénom, on pourrait aussi se dire que ça pourrait être sympa de la rajouter. Ou à ce moment là, on pourrait faire un système d'affichage qui se base euh, non pas sur un e-fighter, mais sur le fait qu'il a en fait euh, tout un nom à côté. On pourrait avoir différents filtres par rapport à ça. Nous, on va rester à cette étape là, et donc à la fin, bon, on saura qui est le gagnant, puisqu'en fait ici, il suffit de renvoyer le fighter 1 ou le fighter 2 et ça sera bon. Ok Donc c'est ce qu'on va faire. Ici, on va renvoyer notre fighter, e-fighter. Et on saura qui est le fighter, qui est le combattant. Et pour montrer, on peut aussi faire comme ceci. Je ne sais pas si vous connaissez. E fighter, fighter. Hein, on peut s'amuser à faire un système comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est en C sharp. Ça fait un moment que ça existe. C'est ce qu'on appelle un, tu un tuple. Un Donc là, on va pouvoir renvoyer fighter 1 et virgule fighter 2 Ok. Le tuple, hein, c'est pour renvoyer différentes valeurs. C'est en fait un compte. C'est une variable qui a plusieurs valeurs. Ce n'est pas un objet, hein, c'est une sorte de tableau, ce n'est pas un tableau non plus, c'est un tuple. Un tuple, c'est euh, N valeurs qu'on renvoie. D'accord Qu'on peut utiliser comme à renvoyer. Alors ce qui est génial là-dessus, c'est qu'on peut aussi les nommer hein, euh, euh, sur le passage, puisqu'en fait là, vous allez voir, on va avoir T1 et T2, c'est pas très élégant. Mais au moins, bah, déjà on l'a, puis on verra comment on le nommer après. Ça va sur ça Ça nous permet de rappeler les tubes que je ne monte pas toujours. Yes, comme ça on saura les deux et puis on saura le combat, c'est génial. Donc bah, c'est parti, on va s'amuser. On va rajouter ensemble, donc on va faire une modification. Euh, create main character, oui bah du coup on va on était sur create main character et ennemi. Euh, bon on fait le combat aussi là-dedans, c'est pas tellement judicieux mais on va le laisser là-dedans. Ok. Fit euh, define. Define. Define euh, define define quoi? Bah define euh, a fight. On enregistre et euh, bah, on va aller rajouter un test unitaire, donc là c'est parti. Ajouter test unitaire, nouvel élément, donc on va rajouter un des tests. Et dedans, en fait, pour aller tester notre projet, on va rajouter un nouveau projet, un projet de test. Et oui, on y va. Donc un projet de test, ici on a plusieurs tests hein, qui nous viennent le mstest, le nunit, le xunit. Nous on va prendre le xunit, ok. On va faire donc du coup s ssd a point application. On va tester la partie application. Oui, Internet 8 il n'y a pas de problème. C'est parti, donc notre fact, chaque fact est un test unitaire. Donc là on va tester le fight. Donc on va faire F2, on va renommer euh, CTRL RR. -r F2 c'est quand je suis sous VS Code. Euh, ici on va faire euh, fight. Death match fight unit test. Voilà, c'est très bien. On va faire un. Bon, bien. Il m'a renommé. Sinon, il suffisait de juste de faire un contrôle point virgule et on pourrait renommer hein, le fichier directement. Ok, là, on va faire quoi ben, Must uh, should. Must. Uh, should get one fighter alive. Ok. Alors. Petit point d'ailleurs de tour des tests. On est en train de faire ce qu'on appelle du TNR, c'est-à-dire le test de non-régression. On a créé notre code et on teste après pour prouver que tout est OK, pour que par la suite au moins il y aura pas de régression. Hein. Ce n'est pas du TDD où l'approche est un développement itératif accompagné par les tests. C'est comme ça que j'aime le dire. Euh, même si les tests d'abord, c'est vraiment ça en fait. Notre développement est accompagné par les tests qui s'accadrent en fait. Hein. Et euh, c'est dommage de l'avoir fait penser autrement le TDD. Euh, il fut un temps. Voilà. Donc nous, ce qu'on a cherché à prouver en fait, c'est que ce TNR, il est OK. Par contre, on a un problème. Je ne sais pas si vous le voyez, ce problème-là. Euh, on ne va pas réussir à prouver exactement tout. Est-ce que vous voyez mon problème dans mon combat Regardez, je fais un combat. Là, tout paraît OK. Hein. On a notre attaque. Après, nos facteurs, ça, être... bah, ça va être qui bah, Déjà, on n'a qu'un seul facteur hein, dans notre modèle. Euh, on dirait un facteur, mais un fighter. Ici, notre combattant, là, c'est un basse caractère. Donc là, ben on ne va pas pouvoir tester complètement. Mais quel est le problème je, je, je suis vraiment juste devant. Hein, c'est entre la ligne 24 et la ligne 30, ce que vous le voyez. Non Alors, ben en fait, le problème, il est sur le random. Comment prouver le random Vous voyez l'idée Comment on peut prouver un random On ne peut pas prouver un random, puisque c'est une valeur aléatoire. Donc, il n'y a aucune validité, en fait, à notre test unitaire. Alors, Suivant le test unitaire, bien sûr qu'on fait. Là, on veut juste prouver qu'il y en a au moins un vivant. Mais si on veut dire, ok, ça va être le fighter 1 qui va rester en vie, on n'a aucune assurance du fighter 1, en fait, qui va rester en vie. Hein. Puisqu'en fait, vu que c'est aléatoire, bah, notre test unitaire il va passer une fois sur deux, hein, grosso modo, euh, du point de vue statistique. Donc, ça veut dire qu'on va être vraiment pénalisé sur le test unitaire. Donc, les bonnes techniques ici, c'est de complètement enlever notre random et de le mettre dans une classe à côté. Ok Bon, ça, c'est le point. Tiens, avant de continuer nos tests unitaires, je veux quand même permettre aux personnes qui ont bah, qui n'ont pas l'habitude hein, de la visualisation mentale, visualisation mentale euh, des classes, de bah, je fais un diagramme de classe. Hein. Je trouve que ça aide vachement. Donc vous allez rajouter ici, ajouter, nouvel élément, et on va rajouter un diagramme de classe ici. Okay si vous ne l'avez pas, vous allez dans outils. Ah, qu que je fais Outils ici, vous allez faire obtenir les outils et fonctionnalités. Vous attendez qu'il charge, je fais blablabla. Bla 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 bla. Voilà, et vous avez donc composants individuels, vous tapez classe si vous êtes en français, et vous avez concepteur de classe, vous cochez, vous installez. Ok On se retrouve juste après. Yes, ça fait un petit quart d'heure qu'on est ensemble, donc on va les continuer. On va rajouter donc du coup notre euh, diagramme de classe. Comme ça on visualisera, ce sera plus facile même du point de vue test -tumitaire. Voilà. Voilà, bah c'est bon, hein. main, on va l'appeler main. Bon, voilà. Ce qui est génial avec ce diagramme de classe, je ne sais pas si vous savez, c'est qu'il est à double sens. Il a des défauts selon moi, mais il a quelques avantages. Regardez, un des défauts, c'est que voilà. Donc là, on voit notre interface. Et euh, si je mets mon Death Match Fight, ben, regardez, il n'y a aucun lien. On voit que c'est lié à Fight ici. Et donc, il euh, ben, y a double clic, je peux retourner dessus. Mais il n'y a aucun lien visuel. C'est que l'héritage qui est géré sur euh, le, le visuel en fait d'un petit trait ici qui serait lié. Alors que normalement, du point de vue ML, hein, c'est des petits tirets. Hein, c'est une ligne en discontinu. Et qui, qui permet de montrer ça. Donc c'est dommage qu'ils n'ont pas respecté ça. Ça, Je trouve ça vraiment dommage. Microsoft, si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, mais au moins on a ça, on ne va pas se plaindre. Ok, donc là on voit, ça permet de visualiser. On va mettre notre rules en plus, hein, notre base rules. On va mettre notre shield run. Et regardez là, par contre, ce qui est génial, c'est que là on le voit bien. Je trouve que c'est fort agréable de regarder tout ça. Ok, oui, fort agréable. Ma foi, je parle un peu en langage. Mais par contre vous voyez qu'ici notre verify eh bien on ne voit pas hein, notre base rule, on ne voit pas ça ce qui est dommage je trouve et là moi le, deux, le deuxième point que je trouve dommage c'est que du point de vue UML normalement on doit faire des liens hein, de de comment de propriétés de composition. Est-ce que la composition elle est pleine ou est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, vide C'est-à-dire en gros est-ce que je peux faire vivre l'objet sans l'objet parent Voilà, c'est c'est dommage que ce n'est pas représenté. Pour mon point de vue, c'est qu'il faut faire nécessairement de l'UML de base. Euh, voilà, donc c'était un petit coup de gueule. <laughs> Mettre en forme le diagramme. Bon, voilà, vous voyez, ça, c'est pas super en plus comme elle le représente parce que ce n'est pas du tout comme ça que je le veux. Euh, et puis, bah, vous voyez qu'on peut pas faire mieux. Hein. On peut zoomer, on peut faire membre du groupe, on peut voilà, juste grouper. Wouhou mais ce pas super. Quoi. Mais c'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. On va pas se plaindre, mais si un peu, hein, parce que franchement... Pas fait évoluer ça depuis un moment, donc ça nous permet de dire Ok, qu'est-ce qu'on va tester bon, On va tester cette partie là avec euh, ce Match fight. Ok, voilà. Et euh, bah, du coup, grâce à ça, on va pouvoir aller visualiser l'ensemble de notre code. On va rajouter dans notre modèle exactement pareil un diagramme de classe. Pareil, je trouve que ça aide à la visualisation. Et là, on va faire pareil c'est un main, c'est le modèle de diagramme de classe, et pareil, on va aller déposer notre base caractère, on va déposer notre live point et qu'est-ce qu'il y a Vérifier type défini, ah oui, notre live point, est à record, et ils ont même pas géré ça. Oh là là, ça fait un moment que je pas testé, ils ont même pas géré ça. Bon, bah vous voyez, il hein, y a des limitations, c'est-à-dire que mon live point qui est pourtant un record, il n'est pas capable de le présenter. Shame, shame. De mon point de vue, <laughs> c'est violent, hein. je sais. C'est du troll, non. Je suis quelqu'un de très bienveillant. C'est bien dommage, juste de mon point de vue là-dessus. C'est surtout une blague par rapport à si vous connaissez le shame. Après, ben voilà, je comprends, les objectifs, c'est ailleurs sur VS, mais l'équipe VS, si vous m'entendez, c'est un appel, une bouteille à la mer. Mettez à jour votre diagramme de classe. Les personnes qui débutent en programmation objet vous en remercieront, et même les architectes! Même les seniors, hein. en gros tout le monde. Vous voyez, là, il manque plein de choses. Respect de l'UML. Tiens, si vous ne connaissez pas l'UML, parce que, que je, je sais que j'en parle pas mal, j'ai rencontré pas mal de devs ces derniers temps et depuis un petit moment qui ne connaissent pas l'UML. Ce n'est pas leur faute, ok Ce n'est pas leur faute. J'en jette surtout pas la pierre. C'est les personnes qui les ont formées. Là, par contre, je jette la pierre. Euh, ouais, parce que pour moi, c'est un point qui est obligatoire à connaître, quoi. Il y a Meurisse et UML, c'est la base hein, des diagrammes à connaître. Il y en a plein d'autres, mais ceux-là, hmm. <laughs> Ok, on va aller voir ce que c'est, si vous connaissez pas, vite fait une petite parenthèse. L'UML, c'est donc le langage de modélisation unifiée, qui présente euh, énormément de diagrammes. Hein. Moi, je me rappelle qu'il y en a 13 de mes souvenirs. Et euh, en fait, ces diagrammes-là évoluent. Vous voyez que um, ça date des années euh, 1990, hein, la toute première utilisation. Et 1997, euh, euh, ça a été validé. Et en 2017, il y a le 2.5.1 qui a été mis à jour. Donc, on voit quand même que c'est un langage qui a évolué. Bon, certes, il ne bouge plus trop, mais il évolue toujours. Alors, à l'heure du monde où tout le monde dit « Oui, c'est pas bien l'objet, il faut bannir l'objet, vive tout ce qui est à côté, c'est qu'une histoire de mode, de plaisir et surtout de personnes qui ne savent pas utiliser. Euh, » Vraiment, hein, pour moi, je l'ai déjà répété maintes et maintes fois, moi, je reste persuadé que quel que soit le fait que vous allez mettre en place un vrai modèle objet, un vrai théorique, hein, euh, allez-y apprenez ce, ce système de modélisation. On va pouvoir en fait comme ça, grâce à des langages comme Smalltalk du, de ce temps-là, et maintenant bah, avec tout ce qui arrive aujourd'hui, vous voyez, bon, il y a plein, plein de mises à jour, c'est super. En fait, c'est pas ça le plus important. En fait, c'est l'idée de comprendre comment on va pouvoir modéliser son projet. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui, par exemple, vous faites euh, déjà, si vous faites déjà, du Scrum. Je sais, Scrum, ça fait frissonner de peur et de dégoût hein, euh, des devs qui apprennent Scrum parce que ça a été mal mis en place dans votre entreprise. Hein. J'insiste vraiment. Scrum, c'est super bien. Vraiment, quand c'est bien fait. <laughs> quand c'est bien fait. Euh, moi, le premier, jette pas non plus la première pierre, euh, et la pierre et les pierres. Euh, faut... Je répète souvent cette expression d'ailleurs. Je aussi, à un moment donné, j'ai été très carré. Mais en fait, c'est un côté qui est très carré pour un but. On en reparlera si vous voulez. Euh, donc, ce qui est sûr, c'est que le pourquoi n'est peut-être pas défini dans l'UML, mais par contre, il y a un point que vous allez rencontrer, comme je disais. C'est le use case. Hein, c'est toute la partie des diagrammes de cas d'utilisation. Ce point-là, il est magnifique à coder, euh, pardon, à, à, à créer comme diagramme, à modéliser. Hein, ce diagramme-là, c'est celui qui va définir en fait les user stories. Les épiques, au moins à minima. Ouais, vous l'avez. Hein, ça n'a pas été euh, pas une invention euh, comme ça. Hein. Scrum. Mais voilà. Un autre point qui est intéressant, c'est donc du coup le diagramme de classe, le fameux celui dont je parlais. Alors le diagramme de classe il doit respecter un certain formalisme normalement. Et c'est ça que je ne comprends pas chez Microsoft qui ne l'ont pas fait dans Visual Studio. Regardez ici. Là par exemple quand on a une plaine, ici ça veut dire que Technical appartient à un schéma. Hein, donc, euh, Ça veut dire que si je détruis le schéma, Technical meurt. C'est ça que ça veut dire, pareil que taxon path. C'est la composition, ok Là, on voit les étoiles exactement comme on peut trouver du côté UML, euh, du côté Meurice, pardon, ok 0, 1, donc ça se lit à l'inverse, hein, c'est-à-dire que les 01, c'est-à-dire qu'il y a zéro relation pour ressources. Hein, on voit que là où il y a le, le losange, c'est que relation contient ressources. d'accord Et c'est vraiment quelque chose qui est à connaître, hein, le diagramme de classe. Euh, il y a donc pardon cette modélisation. Il y a aussi les points qui sont importants à connaître, qui sont comme je disais donc l'héritage, l'association, donc l'agrégation et la composition comme je disais. Et il y a aussi donc du coup l'implémentation avec les interfaces. Ok. Je continue là-dessus vite fait parce que je ne peux pas tout montrer. Le deuxième que je considère qui est le plus important de tous les diagrammes qui existent, c'est le diagramme de séquence. Oui, monsieur, dame, le diagramme de séquence. Pour moi, c'est le diagramme à connaître. Vraiment. C'est celui qui va aider mentalement à penser communication, qui dit communication dit responsabilité, qui dit responsabilité dit organisation. Et à ce moment-là, on voit tout de suite ce qui se passe. Après, avec l'habitude, moi, le... c'est en tête. Hein. Mais il y a des moments donnés quand j'ai vraiment un monde complexe et j'arrive pas à le comprendre. Ben, je vais utiliser ça pour modéliser avant même de concevoir. Et ça permet même de discuter, donc du coup, avec le ou la PO. et ça permet de discuter avec l'équipe, les équipes, et dire ah ouais, t'es rendu là, d'accord, tu fais ça, mais. Et là, on voit qu'il y a des messages qui peuvent être plus ou moins compliqués et on comprend les problèmes, d'accord Pour expliquer rapidement, ici, ça va de gauche à droite, c'est-à-dire ça, c'est le premier appel, c'est le premier objet. Et puis, ça va de, aussi de haut en bas, c'est-à-dire c'est la durée d'utilisation. Les premières utilisations sont ici, puis après les premiers appels, hein, puis plus on descend, plus les appels euh, sont vers le bas. Donc de gauche à droite et de bas en haut. Et ce qu'on voit aussi, c'est le temps d'utilisation. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, là, c'est le temps d'activité. Donc là, il y a le Hank Cook qui est très euh, actif pendant tout ce temps, cette période-là. Et on voit que c'est un schéma comme ça, qui va vraiment de je vais de plus en plus profond dans mes couches logicielles, par exemple. Hein. C'est cette idée-là, d'accord Et donc, hey, je suis bien transparent. Une t short bleu, ça ne marche pas toujours. Bref, ici, ce qu'on voit, c'est que donc, du coup, order food, c'est donc qu'il y aura une méthode order, ici, dans la partie euh, waiter. D'accord Ça se lit vraiment de, de gauche à droite. Tout ce qui est vers la gauche va être dans l'objet de droite. Donc là, serve food, ça donne l'objet de gauche. Ok C'est ça, c'est cette idée-là qui est vraiment importante à connaître. Vous voyez que si on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voilà, il y en a 14. Euh, moi j'étais à 13, mais c'est vrai qu'il y en a 14. Donc ça permet vraiment d'aller modéliser l'ensemble de ce qui va se passer. Le diagramme de temps, hein, qui permet d'expliquer euh, toutes les étapes de communication, divers comportements d'un objet, par exemple. Ok, donc vous voyez qu'il y a tout pour représenter en fait un projet. Le diagramme global d'interaction, etc., etc. Et là, on voit vraiment, c'est des blocs avec euh, un diagramme d'état. Hein. Ici, c'est vraiment un diagramme d'état. Voilà. Donc, c'est tous ces points-là qui sont à connaître. Mais je vous disais, si vous deviez focus, focus sur le diagramme de séquence, puis après le diagramme d'état-transition qui est vraiment super. Je passe d'un état ouvert à un état fermé. Qu'est-ce qui se passe C'est pas mal de savoir ce qui se passe et de travailler, par exemple, sur des designs, patterns, state, Eh ouais. Plutôt que faire des if et des switches. Voilà. Vous savez, mon dégoût des switches, des fois un peu trop, mais ça me cadre sur ce que j'écris. Ok, là, pareil. diagramme de communication, qui fait quoi Ok, allez voir ça, c'est vraiment important. J'ai pris Wikipédia parce que je trouve qu'il est assez clair. Il existe des outils de modélisation en dehors de celui un peu loupé de... Euh, quoi, en tout cas balbutiant de, de Via Studio. C'est par exemple Poséidon, hein, Poseidon UML, euh, qui coûte de mes souvenirs, il est devenu payant. Je sais qu'un temps, moi je l'utilisais euh, pas payant. Euh, possidon bon, je ne retrouve plus trop. Là, voilà. Oui, c'est un trial. Il est vraiment bien. Hein. C'est un outil qui est vraiment bien, qui fait en plus, euh, quand on regarde, qui fait, voilà, tout le système de modélisation. Et il est capable de faire donc de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire prendre un modèle objet et de le lire vers notre modèle ici généré. Mais je, de mes souvenirs, c'était connecté surtout qu'avec c -Sharp, euh, avec Java, et pas avec C-Sharp. Mais je ne suis plus sûr ça. Ça fait très longtemps que j'utilise plus. Euh, par l'habitude, en fait, maintenant, de modélisation. On me demande moins, par contre, des euh, documentations techniques avec cette présentation, même si, en soi, c'est très, très important, selon moi. OK, ça va sur ça ouais, j'espère que <laughs> je ne vous endors pas trop avec ça. On va continuer. Donc, vous voyez, la limitation, ici, on est très, très limité sur l'utilisation. On, on peut même pas rajouter les life points, qui sont, en fait, des value objects. Et c'est dommage. Euh, donc, l'équipe euh, VS, si vous m'entendez une nouvelle fois, c'est une bouteille à la mer pour vous. Yes. Et si quelqu'un qui regarde la vidéo connaît quelqu'un qui connaît, allez-y, diffusez-la. Je ne suis pas euh, mon shame, hein, il sera pardonné, je l'espère bien. Mais si je peux confronter un peu pour que ça change, ça serait vraiment top pour avoir un outil de modélisation qui est propre. Pourquoi il est bien cet outil de modélisation Il est comme Poseidon du point de vue Java. Regardez ici, si, si je double-clique sur handicap, j'atterris directement sur la claque. Si ici, si, handicap, je mets un E, même si ce n'est pas anglais, c'est juste pour vous montrer. Regardez, je reviens sur mon diagramme. Et handicap, euh, c'est là. Handicap, c'est bien mis à jour. D'accord. Et si je le modifie, oops, pardon, si je modifie ici en faisant un F2, je mets handicap, automatiquement ça va aller changer du côté en fait de, nos, de mon basse caractère. Vous voyez, c'est ça l'intérêt aussi. Donc c'est dommage qu'on n'a pas tous les liens parce que ici comment je fais pour ajouter certains liens Je ne peux pas. Mais ouais, je ne peux pas. Et ça, ça me ça me frustre à chaque fois que j'utilise. Alors que ben, je me dis quelqu'un qui débute en objet, qui a envie de créer ses objets, il n'a pas envie de faire public classe, etc. C'est dur conceptuellement. Je trouve qu'au début pour accéder à la PO qui reste une bonne pratique, selon moi, et vraiment, tant qu'on respecte deux niveaux d'héritage, à quoi un seul niveau d'héritage, eh bien, c'est un bon accès. On comprend ce qu'on fait. On est des personnes visuelles. 99,99% hein. ,99 personnes qui ont la capacité de visualisation euh, bah, utilisent hein, ce système de visualisation. Donc, euh, clairement. Et même si on ne l'a pas, on va schématiser. Euh, petit à petit, comme ça. Représenter. Donc, euh, bah, si vous avez accès à, cette, à la visualisation de diagrammes Surtout, allez-y, travaillez là-dessus. Parenthèse fermée. Donc nous, on va retourner à nos moutons et on va aller tester notre base fight. Comme je disais, il y a un point qui va manquer, qu'on fera un peu plus tard. Ok, qu'est-ce qui va travailler ici Qu'est-ce qu'on va travailler Donc on va retourner sur notre test unitaire. Notre test unitaire, le but en fait, c'est de pouvoir lancer notre nos tests unitaires. Ah, qu'est-ce qui me dit d'ailleurs Attendez, j'ai quelque chose qui n'est pas bon. Ne peut pas implémenter run, run car elle ne possède pas le type de retour void. Et oui, normal, parce que ici, j'ai mis fight, fight. Et oui, Fighter, Fighter. J'ai mis un tuple. Un tuple non nommé, hein, ça s'appelle tuple non nommé. Okay. En vrai, il n'y en a pas besoin, ce sont des objets. Je reparlerai, il n'y en a pas besoin de ce que j'écris. Hein, on n'a pas besoin de ramener nos valeurs, puisqu'en fait, ici, c'est des types de référence. On en parlera plus tard. OK, on continue. Donc du coup, on veut tester ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va faire un i. Ah ben oui, mais il nous faut nos classes qu'on veut tester, hein, donc il nous faut notre dépendance. On va prendre notre application et notre modèle. On va faire un i. Alors, pour utiliser le principe de test unitaire, utiliser le pattern a3a, on l'appelle aussi. a cube a a, aussi, hein. a, -cube. a -ha -ha. Ha. Alors là, c'est assert, ici c'est act, et là c'est arrange. Arrange, c'est la préparation des données, d'accord Act, c'est je lance, et c'est comme euh, ac action, ou c'est parti. Hein, et assert, c'est prouver que quelque chose est vrai. Hey, what did you assert, et pas what did you expect. Ok, donc là on va prendre quoi, arrange ben, On va prendre notre euh, i euh, fight. Fight. On va instancier un death match fight. OK. Ici on va prendre un ben, volontairement pour l'instant ça va fonctionner, donc on va mettre une action. Et là ben, je vais vous montrer une partie delegate. On va prendre un message et on va faire un console.writeline. Ce C'est pas important cette étape-là, mais durant le debug et durant le test unitaire, on peut faire du debug. Voilà, comme ça. On est sur une sorte de console, hein, donc on peut le regarder. Voilà, on ne veut pas prouver que ça plante si on passe pas une valeur, quoi, si on passe une valeur vide, etc. On a notre fight, il va nous falloir deux fighters. eFighter1. -one. One. Voilà, et i e factor2, ctrl D pour dupliquer la ligne de code, et là on va lancer notre code, fight, fight, run, fight, et on va lancer sur notre fighter1, one. donc 1, one et oops, et two. voilà. Alors là il va me pleurer dessus, il va me dire écoute c'est des valeurs non assignées, oui. Donc ça pour l'instant on ne va pas pouvoir. Et là on va récupérer notre tuple. Hein, on va récupérer notre tuple. Et on va voir que notre tuple, il n'est euh, bah pas tellement cool, cool. Regardez tuple. Et on a item 1, item 2. Hein, on aimerait avoir des noms. Donc ça on verra juste après. Ok. Donc là qu'est-ce qu'on doit prouver On doit prouver quoi ben Qu'au moins l'un des deux est vivant. Okay au moins l'un des deux est vivant. Donc à certes, c'est vraiment le but de, du travail. Donc on doit prouver qu'au moins... On va faire un trou là, hein. je prouve que ma condition est vraie. Ce n'est pas les meilleurs, les certes trous, parce qu'on peut tout mettre à l'intérieur. Là, on va dire quoi Je dois prouver que l'expression que je vais mettre dedans est vraie. Donc, on va faire one point is alive ou two is alive. OK Donc là, c'est l'un des deux ou les deux. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est que bah, s'il y a les deux, ça doit pas planter, ça devrait planter. Hein. On ne peut pas avoir, on doit avoir au moins l'un des deux. Donc, c'est soit l'un est vivant, soit l'autre. Donc, c'est un ou exclusif. Donc on va aller faire un, un XOR, c'est-à-dire euh, XOR c'est true true ça donne false, euh, 0, 0, ça donne false, et true false ou false true ça donne true, ok Donc l'idée c'est de faire un... Euh, zut. Blip. Non, blip, 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 blip. blip. Voilà. Ok C'est ça. Donc là, on ne va pas pouvoir le lancer maintenant. Donc ça va nous permettre de continuer un peu en TDD, hein, cette idée. Le but du TDD, vous savez ce que c'est, non Cette idée C'est l'approche du développement accompagné par les tests. Euh, c'est vraiment comme ça que je veux dire. Ce n'est pas les tests accompagnés par le dev, même si on pourrait dire ça comme ça. C'est qu'en gros, notre test sert de support pour avancer. Exactement comme, imaginez, une cordée hein, qui permet d'avancer à chaque fois que je monte. Euh, Au-dessus, je suis en train de faire de l'escalade. J'ai pas fait d'escalade si j'en ai fait qu'en quest, <laughs> euh, mais je vais mettre ma cordée tac tac tac. Et ben, je sais, tu ma cordée. A priori, c'est bon si je l'ai bien enfoncé. Et donc, si je monte, ben c'est bon, ça va pas planter C'est cette idée là en fait. Pour prouver que ça fonctionne, on va pas pouvoir faire tous les tests inimaginables. On va pas pouvoir faire toute notre manipulation. On va faire juste le test supplémentaire, l'étape supplémentaire itérativement. Et c'est ça qu'on va chercher à faire. Donc, là, l'idée c'est de créer un fighter le plus rapidement possible. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on... ici on peut créer des fights, des fights. Fa des fake fighter, ah, ils ne serviront que pour euh, simuler. Donc, soit on les crée euh, vraiment à l'arrache, comme ça, euh, new, et on va les créer. Donc, on va utiliser une librairie qui va simuler ça. Soit on crée des fakes. Hein. Ici, on va créer des fakes. Donc, c'est ce qu'on va faire public euh, fight, classe fake fighter, et qui va respecter i e fighter Et là, on va l'implémenter. Donc là, c'est vraiment à la mano. Vous voyez qu'il y a pas mal de code à faire. Hein. Donc là, euh, l'inconvénient, en fait, c'est que bah, on ne va pas pouvoir tester tout notre combat. Vous voyez, là, on va être limité. Donc, euh, bah, on va surtout respecter le base caractère. Ça sera quand même mieux. Ça nous évitera d'écrire pas mal de code. Voilà, qu'est-ce qu'il va nous dire ici sur le base fighter Voilà, générer tout. Super. Et au moins, on a déjà du code. C'est quand même pas mal. Et donc euh, ici, on va faire un fake fighter. On va instancier un fight Fighter 1. Voilà, New Fake Fighter. Euh, test 1. Et on va faire un test 2. Voilà. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Okay. Et là, on va pouvoir lancer notre test unitaire. Comment on, euh, on lance ce test unitaire mais En fait, en bas, vous allez voir, il y a explorateur de test. Si vous n'avez pas cet explorateur de test, hein, affichage, et vous allez retrouver à chaque fois, voilà, ici, CTRL-ET, hein, vous avez tout l'affichage qui va apparaître. Vous voyez qu'ici, pour l'instant, il n'y en a pas. Ah, si, il y en avait un. Ben oui, c'est notre. Regardez, il est là. Mais il est reconnu. Oh, est extraordinaire. Je suis exprès. Hein. Voilà. Should get one fighter alive. On exécute. Voilà, on lance le test unitaire. On va voir ce que ça donne. On va voir si on a bien aussi notre code. Donc là, on fait du test de non-régression. Et voilà, c'est vert. Ce qui est génial, en plus, c'est que vous voyez là-haut, il y a la petite, petite coche verte. Si on clique dessus, il me dit que le test est passé. Donc s'il y a plusieurs tests unitaires qui vont valider, eh bien, euh, ça va être validé. Mais. Encore plus loin, c'est-à-dire que sur mon Fight Fighter, si j'y vais, ici, vous voyez ici, c'est passé, hein, il a pris cette, ce constructeur-là. On va aller sur le Run, ici, c'est passé. Vous voyez, il va faire tous les liens. C'est comme génial. Non Moi, je trouve ça extraordinaire. Si hein, n'était pas présent avant, dans les anciennes versions, il fallait payer pour l'avoir. Vous voyez, on a tout, on a toutes les méthodes qui sont prises en compte. Quand vous arrivez sur un projet, vous regardez ça, vous faites, c'est bon. Si je modifie ça, ça pète. Je pourrais avoir un test unitaire, je comprendrais. Ah, je me sens soulagé, ok, on a bien réussi très bien, bon on a réussi à un cas ok, mais on a réussi à un cas c'est déjà bien hein. donc là euh, on veut s'assurer de ça, on a notre, euh, deux, euh, deux combattants mais en vrai il manque des valeurs hein, par défaut c'est à dire qu'ici si on va revoir notre base caractère, qu'est-ce que j'ai mis comme valeur ici j'ai mis 10 life point j'ai mis 100 et strength j'ai mis euh, bah, je vais mettre, allez, euh, 50 au début euh, 30 au début, voilà, je teste vraiment par, euh, par défaut Okay. Et voilà, donc du coup, ben, mon test terre est bien passé et ben, je peux voir mes tests hein, et je peux voir regarder ce qui s'est passé. Starting, finish, on voit toutes les informations de ce qu'il a fait comme test. C'est quand même pas mal. Ok Voilà, c'était ça vous, vous montrer l'idée. Après, si on continue dans le test unitaire, ben, clairement, on va devoir ensemble commencer à mettre en place des règles un peu plus précises de valider on va devoir faire un système de triangulation. C'est-à-dire euh, prouver que c'est faux, prouver que c'est vrai, un hein, cas à côté. Hein, vraiment, cette idée-là pour essayer de travailler. Par exemple, ici, ben, ce qui serait bien, c'est de prouver l'autre cas. C'est-à-dire, dans quel cas on pourrait avoir euh, un fighter, ben, tiens, le même fighter Est-ce que je dois, pouvoir, euh, euh, je dois avoir une exception si c'est le même fighter hein, Je ne peux pas me combattre moi-même. Mon deathmatch fight doit générer une erreur. Ben, je peux rajouter un nouveau test unitaire, ici, comme ça. Chaque je vous ai dit, hein, chaque fact est un test unitaire. Là, should uh, throw, should not run uh, fight if same fighter. Ok. Donc là, on peut soit réutiliser le même code. Au bout d'un moment, vous allez voir, on fait la répétition de code. Donc, euh, on a tendance à faire des classes qui permettent de proposer ça. C'est même recommandé en fait de créer ce qu'on appelle des mocks. Hein. Ces mocks ce sont des classes qui vont tester pour nous avec des conditions données. C un mock, hein, c'est une classe qui est capable de s'auto-tester. Donc on a tendance à utiliser des mocks pour euh, représenter toutes les données là. Parce qu'on a tendance à faire les mêmes tests en plus. Okay, hein, c'est des comportements testables, si vous voulez, des classes testables. Vous y voir la différence, les vraies différences. Hein, parce que souvent on dit qu'on fait des mocks et on dit euh, je fais un mock, En fait, on fait la plupart du temps un stub. Donc ce n'est pas ça qu'on cherche à faire, ou un spy. Donc là, ici, notre fake Fighter, bah, en fait, on va prendre le même. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de faire one, on va faire one est égal à one. Hein, donc là, on, on a one est égal à two. Vous vous souvenez sur la partie référence Ici, si je fais un Excalidro, Excalidro, je dis toujours Excalidro, euh, Fit Reset, we Confirm. Hein euh, là, avec le code que j'ai écrit 1-2, ça fait quoi Ici, on a une variable, une variable donnée, vous le savez pour si vous savez déjà faire hein, euh, là. On a un espace mémoire donné. Lui, il pointe vers cet espace mémoire. Et lui, en fait, quand je dis je pointe vers... Euh, ici, c'est que je pointe vers là. D'accord Ah, lâche-moi. Voilà. En fait, quand je dis euh, est égal, hein, tu reçois one, c'est que je reçois le contenu. Hein, vous vous souvenez euh, Là, en gros, il y a et 1, 2, 3, FF, pardon. Et donc, ici, dans cette variable, il y a la même chose. D'accord Allez, double clic. Voilà. Il y a vraiment la même chose. Hein. C'est vraiment cette idée-là. D'accord Donc là, on pointe vers la même donnée. Et si je reprends sur ce que je disais, d'où l'idée que du smash, il n'y a pas besoin de renvoyer ça. Parce qu'en fait, ici, même si c'est une copie, en fait, on ne copie pas la valeur de l'objet. Ce n'est pas une valeur ici, c'est bien un type de référence. Donc on a un pointeur vers l'objet. Donc quand je modifie factor one, qui est pourtant une variable différente de celle que je passe dans mon combat ici, hein, quand one et two, eh bien en fait, ce one et two, là ici, pardon, je vais reprendre ce cas-là, one et two, ben, ce cas-là ici, si je les mets côte à côte, Regardez si je les mets côte à côte. Ce qui est important à comprendre ici, c'est que ce Fighter1 et ce Fighter2, ici, ces deux-là, c'est bien des pointeurs ces variables ont le contenu de l'adresse mémoire de 1 et de 2. Donc quand je modifie ici, je modifie ces objets-là. Donc il n'y a pas besoin de les ramener. D'accord Il n'y a pas besoin de faire un return. C'était surtout pour vous rappeler les tuples. D'accord Ça va sur ça ouais. Vous allez voir si vous n'avez pas compris ce qu'on appelle les types de référence. Hein retrouver ça dans la formation sur EDMI ou formation qu'on peut faire ensemble bien sûr ok ça c'est cool yes donc là à partir de là on a un des match, on a un combat et on peut valider ça donc comment on peut valider cette idée là bah c'est pareil on va relancer notre test unitaire et normalement ce deuxième test ne devrait pas passer donc c'est pas un serre trou en vrai ah on voit ici on a un false je vois pourquoi ah, c'est false. Ben oui, parce que c'est le même. Donc, soit l'un, soit l'autre, donc ça passe cette idée-là. Mais en fait, là, je devrais pas lancer. Je ne devrais même pas pouvoir lancer. Vous avez compris pourquoi c'est false C'est que vu qu'ici, c'est un XOR, bien en fait, là, on a Chou-Chou, puisque c'est le même personnage. One et tout, c'est le même personnage. Tout pointe vers One. Donc, c'est le même fake fighter. Je n'ai instancié qu'une seule. Un seul objet. D'accord Donc, c'est pour ça qu'ici, le XOR pète. Donc, tant mieux. Mais c'est pas ça qu'on veut prouver. En fait, ce qu'on veut prouver, c'est que, bah, qu'est-ce qui se passe si, dans mon fight, ici, dans mon fight, je vais aller voir dans mon fight, euh, non, dans mon fight, je vais prendre mon, vous avez vu, je peux cliquer là, et desmatch, voilà. Mais ici, je veux prouver que, si c'est les deux mêmes personnages, je ne le dois pas. Donc, il y a plusieurs techniques, ici, on peut dire qu'on fait planter, hein. si c'est le même personnage, on fait planter. On return false, on, Mais moi, je veux dire qu'on va faire planter. Ça me permet d'introduire la notion de, d'exception de typée. Donc, dans cette, euh, dans cette euh, Deathmatch Fight, hein, euh, en gros, je vais vous montrer ce qu'on doit faire. C'est quoi ici On ne doit pas faire ça. On doit faire un assert. Donc là, l'assert, il est en même temps que l'acte. Hein, C'est la petite subtilité de ce système-là. C'est quoi Regardez. On va faire un assert. Throw. Et on doit déclencher l'exception. Et on va dire quelle exception Donc, type of. Est-ce qu'ils ont fait le choix Ah oh non, c'est nul. Euh, type of the exception. Et là, il attend une ex une, euh, du code que j'exécute. En gros, c'est un try-catch hein, qui va choper. Et on dit que ça doit déclencher ce code-là. Alors, vous allez voir, il va me dire il va me dire. écoute, euh, c'est obsolète. Eh hein. hey, oui, il est sympa. Hein. En vrai, il a... c'est juste qu'il n'a pas été capable de le détecter au début. Heureusement, ça, c'est l'ancienne façon, c'est moche. Vous l'avez vu, hein. C'était prévu, c'était prévu, ok ça c'était avant, c'est quand même beaucoup plus joli que ce type-off d'avant. Avant on n'avait pas le choix. D'accord, donc qu'est-ce qu'on dit On veut prouver que ça déclenche bien cette exception. Donc je vais lancer mon test unitaire. Ah, là je fais du TDD, hein. je fais vraiment du TDD, je suis en train d'écrire mon test pour valider mon avancée. Run, non ça pète pas. Alors ce que je veux prouver euh, déjà, bah, c'est que mon deathmatch, hein, vous vous souvenez du RGR, Red Green Refactor c'est prouver rapidement que mon test est une bonne idée et si c'est le cas en fait après je pourrais améliorer mon code refactor. Donc là je vais faire un throw new exception, ok, z. Et donc là si je relance mon code, je prouve au moins que mon test unitaire il est, il est bon quoi, j'y peux pas bien penser. Hey c'est bon, j'ai tout bon, ok. Voilà donc là ça y est c'est bon. Maintenant ben, ce que je vais faire c'est que je vais pas faire un throw new exception, je vais créer une, une exception spécifique, on va dire. Euh, euh, différentes euh, facteurs hmm, expected expected par exemple hein. expected exception on a, on a besoin que ce ne soit pas des personnages euh, que ce ne soit pas les mêmes quoi, en fait hein. donc on va créer notre exception on va aller dans application on va mettre ici une exception et on va rajouter notre exception On va l'hériter, vous vous souvenez, tout ce qui est héritable de exception, on va pouvoir faire des au dessus et donc du coup faire péter notre programme. On va générer ici euh, tous nos constructeurs celui de base, celui qui avec, avec une string, celui avec une inner. C'est là que j'utilise rarement. Et streaming context. Ok, c'est cool. Voilà. Et donc là, on va dire ok, on revient toujours du côté TDD. Et là, on fait un contrôle point virgule. Alors, ça serait bien. Ah oui, j'ai dû le mettre en internal. Ouais, public. On revient sur ça. On va faire un contrôle point virgule. Voilà. On relance notre test unitaire. Là, j'y vais vraiment scolairement, mais c'est l'idée, hein, étape par étape. Ça ne va pas planter, ça ne va pas fonctionner, puisque je renvoie une exception. Donc là, je prouve que j'envoie une exception. Je réexécute mon test unitaire, voir si c'est OK. Hein, vous vous souvenez de l'histoire de la cordée, l'histoire de remettre à un support. Je ne sais pas comment ça s'appelle, hein. je ne suis pas, euh, je sais pas du tout d'escalade, mais c'est cette idée -là. À part sur, vous avez compris, sur la quest. OK, donc ça c'est bon. Maintenant, on est bon. Donc là, il faut que quand je lance mon test unitaire, if euh, donc là, il faut que je fasse euh, if fighter1 est égal à fighter2 à ce moment-là, je fais quoi je... D'accord Et donc là normalement dans mon cas là précis, je vais devoir avoir l'erreur. OK on relance, et donc dans mon cas précis, je dois avoir l'erreur. Oh yeah Ce qu'on fait toujours, c'est qu'on relance tous les tests unitaires. Vous avez vu, je suis remonté d'un niveau, d'un nœud, et comme ça, je peux lancer tous mes tests unitaires. Et voilà bah, C'est super, non On a super bien avancé. On a notre fight. Donc on a déjà tout ce principe-là. On va faire un petit commit ici. On aurait dû créer une branche dédiée, hein, parce que ce n'était pas que main caractère ennemi en vrai. Euh, C'était simplement que je voulais avancer dessus avec le main caractère. Je voulais vraiment vous montrer ça. J'aurais dû faire une branche 7 hein, dédiée. Mais vu que mes ennemis et mes caractères n'étaient pas prévus, bon. C'est une petite exception, mais ça n'a pas été cool hein, en vrai. Bon, c'est parce qu'on en a avancé ensemble. Hein. Ok. Donc, euh, death, euh, Unit Test, death, death Test of Death Match Fight. Oh, yeah. Ok, ça c'est cool, on est bien. Maintenant, ben, on va rajouter nos personnages. Hein. On va rajouter nos personnages. Donc, on a le main caractère. Parce que là, on avait le caractère ici dans les modèles. On a le main caractère. Donc, là, on va rajouter ici le main caractère. Main caractère. Alors, pareil, il y a toujours une discussion qui peut se faire. C'est. Est-ce que euh, mes interfaces, je les mets au même endroit que mes classes Vous voyez qu'ici, j'ai fait un peu un mélange. Dans certains projets, je vais mettre un dossier classe et un, un dossier interface au, dans le même dossier par an. C'est surtout ça du côté Unity. Et dans des projets vraiment pro, dédiés pro, je vais avoir tendance à créer vraiment des projets dédiés interface. Euh, Démultiplier un hein, plein de petits projets d'interface. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais je trouve que ça aide à la pensée de l'interface sert juste de contrat, de support pour l'injection de dépendance. Donc voilà, ça n'empêche pas l'un par rapport à l'autre. Hein. C'est juste que si je veux mon interface, je suis obligé de récupérer tout ce modèle. Donc c'est pour ça que c'est à discuter ici. Est-ce que c'est vraiment la bonne idée du modèle Est-ce qu'on n'aurait pas dû, dû faire ici un SDA blablabla corps modèle point et que c'est une dédié Mais ben ça, ça dépend de la taille, ça dépend de la structure et de l'architecture qu'on a prévue. Plus c'est petit, mieux c'est. Hein. Rappelez-vous. Okay donc là on va faire un public. Toujours c'est critiquable. Hein. Un base caractère. Ok, on va faire un contrôle point virgule. On va générer les deux constructeurs. On va les mettre ici. Region, constructors. ok. En vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin du main caractère puisqu'en fait en soi il n'y a pas de surcharge. Du point de vue objet, normalement, il n'y aurait pas besoin. Si j'ai pas de surcharge, ici j'en ai pas. On va voir dans mon base caractère peut-être qu'il y a des choses que je pense que je pourrais redéfinir. Quoi par exemple Eh bien moi, attaquer, c'est peut-être pas la même façon de faire que euh, bah, le, le fighter ennemi, hein, par exemple. Est-ce que c'est la même façon d'attaquer Actuellement, attaque, c'est euh, je balance, euh, j'attaque mon ennemi. Mais ça se trouve, moi, personnage principal, je pourrais faire autre chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que je sais pas. Donc, de base, je pars du principe que l'attaque est bien, mais je vais peut-être le faire d'une autre façon. Voilà, c'est cette idée-là. Là, je permets quand même à mon enfant, grâce au virtuel, vous vous souvenez, d'overrider totalement et même complètement ma méthode. C'est-à-dire que je peux dire, écoute, tout le code était écrit de la ligne 26 à 29, j'en ai rien à faire. Et tout ce qui vient du parent. Ce qui est un peu une entorse à normalement la vraie programmation en un objet. Donc il y a d'autres techniques qu'on verra par la suite qui pourront nous permettre de contrôler en tant que parent ce qui va être dit dans l'enfant. Et oui, oui, on a un moyen de cadrer ça, c'est la technique du protected, hein, c'est le, le design pattern du, prote du doux protected comme je l'appelle. Ok. Donc on y va, on continue. Ici dans notre attaque, c'est bien. Et on va rajouter ici dans nos caractères eh bien, les ennemis. Donc pour euh, l'idée, c'est qu'on va avoir pas mal d'ennemis. Donc on va faire enemies. Ici. Oh, je ne sais plus si c'est ennemies. <laughs> Bonjour l'anglais! Bonjour, je suis pas du tout bilingue, mais pourtant j'essaye. Hein. Euh, donc là, un ennemi. Voilà, un je dis. Ennemi. Ennemi avec un Y. Très bien. Ok, bon. Et des ennemis. Ennemi. Vous avez vu, j'avais même mal écrit ennemis The ouais, c'est ça, avec un seul M. Ok, donc qu'est-ce qu'on va rajouter comme euh, ennemi Eh bien, on va les rajouter. Alors, la possibilité, c'est qu'on peut faire un, un niveau en dessous de tous les ennemis, hein, un base ennemi, comme ça, on est sûr que tous les ennemis ont ce comportement de base. Ma foi, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un niveau, on va essayer de respecter le principe d'un niveau. Et nos ennemis, en fait, euh, bah, ils vont être, euh, pour l'instant, avec euh, bah, juste euh, l'héritage de base caractère, vous allez voir, on va utiliser une interface qui va s'appeler i e ennemi, qui va nous permettre de savoir que c'est un ennemi. Donc on y va, on va rajouter ici euh, par exemple un Urukai. Alors Urukai, oh là là. Urukai, Urukai. Urukai. Je sais, je propose un jeu avec Urukai. Ah, Urukai Non, c'est. <laughs> Seigneur des anneaux. Seigneur des anneaux. Je suis en train de chercher à côté. Hein. C'est Uruk Aïe. Donc Uruk Aïe, Je vais écrire comme ça. Voilà. On va tout attacher normalement, bon, c'est un tiraire. Aïe, ça veut dire quelque chose par rapport à un rook, j'avais vu. Ok les Urukai. Normalement c'est même avec un S Urukai, ça doit s'écrire comme ça. Urukai. Urukai. Ça c'est marrant comment il va me présenter avec un underscore. Nous on va le mettre comme ça. Ok, on va faire un Urukai qui va être notre premier ennemi. Il va arrêter de base caractère. Voilà, générer tout. Ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre notre main caractère ici. Voilà, et on va prendre un autre ennemi. Hein. On va prendre par exemple donc du coup un orc. Orc, orque. orque, mais pas euh, le mammifère et pas le poisson comme certains diraient. Et un orc en anglais, on dit ça comment? Orc, Je vais être sûr de bien l'écrire. Orca. Voilà. Donc orca. On va rajouter un orca. Voilà. On va le faire hériter de base caractère. Youpi. Et là, ici, bah, c'est la même chose. Alors, pour être sûr que ce sont des ennemis, moi, je n'ai pas envie de m'embêter à autre chose que de l'héritage, hein, de faire le... du surhéritage. On pourrait le faire. Je vais plutôt faire une interface qui va définir que c'est un ennemi. ennemi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même euh, quelque chose qui n'hérite pas de base caractère pourrait être un ennemi. Et oui, pourquoi pas Si on a des systèmes de combat, ça peut être un ennemi. C'est quelqu'un chose... quelqu qui, Quoi, un... un personnage ou un objet qui n'est pas celui qui me plaît, qui va avoir des dommages face à moi. Hein, donc on pourrait très bien dire qu'ennemi c'est ça. Pour l'instant on va juste le mettre en interface simple, puis après on verra ce qu'on peut avoir là-dessus. Et ça se trouve en fait euh, le fighter est peut-être un ennemi, bon on en reparlera. Donc on va mettre que mon, mon caractère ici est un ennemi. On pourrait bien sûr donc faire une classe parente, hein, mais je ne veux pas le faire. Alors pourquoi tu pleures Pourquoi tu pleures ah, Bah oui, j'ai fait un copier-coller, c'est Orca. Ah. Orca. Ça c'est pour ça que le copier-coller des fois. Hein alors normalement, il va me non mais bah oui il garde la dernière ou et là non il n'arrive toujours pas à le trouver ou rook voilà super on va dire que le rookai c'est un ennemi ça on pourra faire un code qui permet de faire tout alors l'idée ici c'est que on a besoin de savoir que c'est des ennemis mais on pourrait aussi se dire que il y en a un c'est le main caractère. on aurait pu très bien utiliser ce qu'on appelle l'interface INPC hein, qui, qui nous permet de définir si c'est si c'est un non-player character ou pas et c'est ce qu'on va faire là on va faire un NPC. Et donc c'est une interface. Alors on peut faire un INPC puisque nous sommes dans .NET. INPC. Voilà. non player character, Ok. Et on va dire que l'ennemi est un non player character, Alors on va dire non-player-caractère. Character. En vrai il faudrait... Si on est dans le monde du jeu vidéo on sait ce que c'est. Mais en dehors il y a des gens qui ne connaissent pas. Là... Euh... Ennemi that can uh, the, uh, put uh, damage to a main character. Voilà. Et on dit que l'ennemi, c'est un NPC. Voilà, on peut faire de l'héritage d'interface, c'est quand même bien pratique. Ok, ça va Ouais, on va se rapprocher. Euh, quoi Ouais, j'espère pour vous. On va se rapprocher doucement de la fin. On a vu pas mal de notions, c'est intéressant. Et est ce qu'on va voir, le dernier point que je vous avais dit, hein c'est qu'on va aller sur euh, les tuples nommés, d'accord donc, on va reprendre la documentation officielle hein, pour, pour bien rappeler. Les tuples, donc, du coup, vous voyez ici, euh, on peut donner en fait un nom de tuple. D'accord Sinon, on a item 1. Donc, il suffit juste de mettre le type et comme une variable. Donc, c'est ce qu'on va utiliser là. On va utiliser cette, euh, cette façon de faire. Alors, d'abord, on va faire hein, fit euh, add NPC and euh, enemy interface. fit Add uh, to enemies. Voilà. Super. Enregistré. Voilà. Et donc ici, comme je disais, on va retourner dans notre fight. Il est où Il est où Il est où Il est Voilà. On va aller faire quoi On va aller euh, bah ici mettre euh, fighter. Fighter 1. Et fighter 2. Ok. Alors pareil, c'est un tuple nommé, donc il faut aller dans mon fight. Blablabla. Bla, bla. Ça c'est assez bizarre. Voilà, c'est cool. On va retourner là, voilà. Alors que pour moi c'est les deux, mais il n'aime pas, hein, parce que c'est deux types différents, quoi, même si c'est des tuples. Ce qui veut dire qu'ici, ben, je, je peux réutiliser euh, dans mon test unitaire, Il est dans mon test unitaire, voilà. Ici, regardez si je voulais récupérer... Euh, Là, regardez, c'est super sympa. Tuple. Et là, j'ai bien fighter one, Fighter2. OK Ça sert à ça. Voilà, je le remontre. Hein. Il suffit de nommer, mettre le type, en fait, comme si c'était une déclaration de variable avec des parenthèses. Alors là, il fallait faire un tuple, new tuple et tout. Maintenant, c'est reconnu dans les deux. Hein. Tuple, ou ça, c'est du sucre de syntaxique, en fait, du tuple. OK Donc là, un petit refacto. Use euh, name tuple. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. On a vu pas mal de notions. On a vu le deathmatch combat. Ce qu'on va faire après sur la prochaine fois, c'est qu'on va commencer à afficher notre grille. Hein, ça pourrait être sympa d'afficher notre grille et d'avancer sur, bah, si on a le temps, le déplacement de notre personnage avec le move. Et là, on va voir qu'il y a tout intérêt à avoir des ennemis qui se déplacent différemment de notre personnage. Vous allez voir. Merci de m'avoir suivi en ce live différé. Féré. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, codez bien. D'ici là, apprenez bien. Ciao, ciao.